Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour un nouvel épisode. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on parle ensemble de comment célébrer ses réussites, mais aussi et surtout ses défaites. J'ai une super nouvelle à vous annoncer qui s'est passée vendredi passé. Bah, une bonne nouvelle. On a déjà été pris dans un projet potentiel. Maintenant, il y aura une sélection qui sera faite. J'en reparlerai en fin de journée. Mais avant ça, il est l'heure maintenant de faire un énorme, gigantesque beast mode. Ce matin, c'est typiquement un matin où je suis juste à fond. Je me réjouis tellement de ma séance. Je vous jure, je prends la voiture, je transpire dans la caisse. Je sais pas, des fois, j'ai tellement hâte de ma séance de sport du matin, vraiment. Et là, c'est juste le cas ce matin. Donc maintenant, il est temps d'aller se changer et ensuite de se défoncer le dos. Ce matin, c'est workout dos, mon jour préféré de la semaine. C'est vraiment un entraînement que j'aime trop parce que tu sens vraiment chaque partie que tu bosses. Et c'est là en fait que j'ai le meilleur contrôle entre le mental et le musculaire. Vraiment, de quand je tire, quand je bosse, je sens exactement que ça bosse. Je crois qu'il est temps d'annoncer l'ouverture officielle de la séance Beast Mode du jour. Donc Beast Mode dans 3, 2, 1... Séance Beast Mode terminée. Oh, ça fait du bien. Je vous jure, tester les séances le matin. J'ai mis quelques 2-3 mois à prendre le rythme vraiment. Mais depuis que je le fais, ça change toutes mes journées quoi. Franchement, je me sens tellement, tellement motivé, tellement à fond. Bon allez, avant qu'on parle de célébrer ses réussites et ses défaites, il faut que je file au bureau. Parce qu'il y a eu un imprévu aujourd'hui. L'imprévu du jour, c'est Philippe malheureusement est malade, encore malade. Il a vraiment chopé une sale grippe, il est au fond du lit, juste HS, fièvre, tout, maux de tête, vraiment le pauvre quoi. Mais malheureusement du coup, bah, il avait un rendez-vous assez important cet après-midi à B chez Meili Technology, un de nos clients. Et c'est un rendez-vous qui devait à la base durer tout l'après-midi. Malheureusement, c'est moi qui vais devoir y aller, ce qui fait que maintenant je suis en train de jouer à Tetris pour changer, mais je deviens très bon à ce jeu, donc heureusement, je sais comment m'y prendre. Mais je dois changer plein de rendez-vous, en déplacer, en avancer, en supprimer, malheureusement. C'est un petit peu le branle-bas de combat, mais on va trouver des solutions. Et je commence légèrement, un tout petit peu, à avoir un petit peu mal à la gorge, mais vraiment tout léger. Et je me connais, c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'ai ça, je me blinde de fruits, de vitamine C, et en général, ça passe en 2-3 jours. Bon, j'enchaîne, j'ai maintenant un call avec un gars basé au Japon. C'est un des collaborateurs de Vaker. C'est mon coaching du jour. J'arrivais à en gérer qu'un, celui de ce matin, mais les deux que j'avais cet après-midi, bah malheureusement, ils sautent quoi. Hello. How are you? I'm fine. Cool. And that way, you're gonna give to people more perspective about what you do in these positions. Thank you very much. Okay, bye. Thank you very much. Bye bye, see you. Bon, coaching terminé. C'est tellement cool en termes de culture, parce qu'à la fin du téléphone, quand on se dit au revoir à chaque fois avec lui, il me dit comme ça. Il me salue chaque fois de la tête, et c'est un truc qu'ils font au Japon, et c'est passionnant, c'est juste passionnant. Maintenant, il est temps qu'on parle ensemble de l'importance de célébrer ses réussites, mais aussi ses défaites. Pour vous parler de ça, il faut qu'on ait récupéré quelque chose. La semaine passée, vendredi, on a eu un rendez-vous très important pour l'agence.
Alors, pour vous poser un petit peu le décor, c'était il y a 3 semaines, 4 semaines, le téléphone sonne à l'agence, je décroche. Et là, c'est un monsieur qui m'explique qu'il est responsable pour une commune de la région. Sur les années à venir, ils ont plein de projets immobiliers, de promotions, bref, ça va bouger à fond. Et en gros, ils cherchent une agence qui pourra faire une vidéo, la vidéo phare en fait de la commune, qui aura pour but de changer l'image qu'elle a auprès des habitants. Et du coup, il nous dit qu'on a été sélectionné parmi 4 agences, dont la région, pour en fait venir à un événement, entendre le brief, comment, pourquoi, la vidéo, le but, l'objectif, bref, avoir un max d'infos. Ensuite, pour avoir 30 jours pour travailler sur une proposition de concept, pour qu'on puisse leur soumettre, on va dire, notre idée sous forme d'un pitch qu'on leur fera, pour après éventuellement être sélectionné pour ensuite créer, réaliser et donner vie en fait à la vidéo. Donc c'est un appel d'offres auquel on a répondu. Alors au début, quand le gars m'explique l'appel d'offres, je lui dis écoutez, c'est gentil, je trouve super sympa qu'on soit sélectionné pour cet appel d'offres. Malheureusement, je pense pas qu'on va y dire oui, parce que personnellement, les appels d'offres, je trouve ça un petit peu malsain, disons le fait de dire voilà, postuler, on verra bien qui on va prendre. À la fin, l'entreprise qui a fait l'appel d'offres, bah, elle a plein de dossiers sur une table. Et après, elle choisit une des boîtes. Et cette boîte en question bah, aura accès, en fin de compte, à tout ce qui aura été créé de manière gratuite par les autres entreprises qui ont postulé. Et moi, travailler gratuitement, ce n'est pas un truc que j'aime faire. Je trouve que c'est vraiment dévaloriser en fait, tout l'apport de valeur qu'on peut faire avec l'équipe. Donc je dis, écoutez, bah, c'est gentil, merci. Mais malheureusement, je ne suis pas super intéressé à y participer. Et là, il me dit, écoutez, merci pour la franchise, c'est très cool. Ça me parle beaucoup parce que moi aussi, à un instant, j'étais à votre place en tant qu'agence. C'est pourquoi ce n'est pas un appel d'offres gratuit, c'est un appel d'offres où on va rémunérer les 3 entreprises qui ne seront pas sélectionnées pour la vidéo finale. Donc là, on sait maintenant qu'on bosse en fait clairement, on travaille vraiment sur un projet. Ce n'est pas qu'on investit du temps pour peut-être éventuellement être sélectionné. C'est vraiment un truc où on a un mandat avec cette commune. Et en fait, maintenant, du coup, on a 1 mois chrono pour leur soumettre un brief vidéo, un concept vidéo qui va vraiment bah, pouvoir changer l'image de la commune. Donc pour des raisons confidentielles et des raisons de ne pas me tirer une balle dans le pied, je ne vais pas dire le nom de la commune, mais c'est une commune de la région. C'est un très gros projet, vraiment. Pour nous, c'est, je pense, un des top 5 plus gros projets qu'on ait pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce champagne. Je trouve très important de célébrer ses réussites. Si maintenant on arrive à accomplir quelque chose, bah c'est très important de le célébrer. Mais il y a autre chose qu'il faut impérativement également célébrer, c'est ses défaites. Donc pour ce projet, on a la présentation. Je vais vous dire la date exacte. On présente ce projet le 15 décembre prochain. Donc là maintenant, on est en train de bosser sur tout le concept de la vidéo. Mais je ne vais pas en dire plus. Je ferai une vidéo dédiée uniquement à ce projet pour vous dire un petit peu bah, l'issue du projet. Est-ce qu'on a été pris ou est-ce qu'on n'a pas été pris? On a plein de sessions brainstorming qui vont arriver dans les prochains jours et prochaines semaines. Et j'ai acheté cette bouteille, un bon champagne, pour qu'on puisse soit l'ouvrir si on est sélectionné pour le projet. Donc là, on fera péter le champagne et on boira et ça sera la bonne nouvelle. Ou bien soit également l'ouvrir si on n'est pas sélectionné à une seule et unique condition, devinez, qu'on fasse avant de l'ouvrir un gros feedback, qu'on se pose tous et qu'on prenne le temps, une demi-heure, une heure, un jour s'il le faut, pour débriefer à fond sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas été pris, qu'on puisse vraiment prendre du recul, qu'on puisse avoir une bonne autocritique, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, comment, et qu'on puisse en partir plus fort. Et du coup, il manque juste un tout petit truc à mettre en plus sur la bouteille. Miller ? Oui, bonjour, Logan à l'appareil. Et du coup, je voulais savoir si vous faisiez en fait des gravures sur bouteille. Oui, je pense que ça peut le faire, il n'y a pas de souci. D'accord, cool, parfait. Alors, j'ai créé un petit mail. Ça marche. Ouais, merci beaucoup. Top, super. Merci à vous, c'est gentil, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va graver ici. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je précise. Mais on va graver juste ici, au-dessus de l'étiquette, le nom de la commune, donc le nom du client. Et comme ça, on gardera cette bouteille. Si on arrive et qu'on est pris pour le projet, bah c'est de la garder en guise de bon souvenir pour se dire « Waouh !» C'est une sorte de médaille qu'on a réussi à gagner. Par contre, si maintenant on n'est pas sélectionné, c'est qu'on la garde vraiment impérativement et qu'on puisse se dire bah, « C'est un symbole d'apprentissage. On a réussi à apprendre plein de trucs grâce à ce projet. » Et du coup, c'est ce projet qui, en partie, nous a permis aussi d'avancer, de nous améliorer. Et
encore plus de croître en tant qu'agence marketing. Donc la prochaine fois que vous avez un non, une porte qui se ferme, vous n'êtes pas pris pour un truc, vous foirez un recrutement ou qu'il y a un client potentiel qui pourrait signer et qui ne signe pas, ne voyez pas ça comme une défaite dans un sens où il y a tout qui va s'assombrir, où il va commencer à pleuvoir, il y aura du vent, vous allez tirer la gueule, baisser les bras. Non, surtout pas. Voyez ça comme une parfaite occasion et vraiment, maintenant c'est un réflexe que j'ai pris à chaque fois qu'il y a une sale nouvelle. Vraiment, je me conditionne à me dire, ok, maintenant tu te poses et tire-en vite des leçons. Dis-toi, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Est-ce que t'es fautif? Est-ce que t'as merdé? Est-ce que t'as assuré? Est-ce que la faute, elle est externe? Est-ce qu'elle est interne? Donc vraiment, chaque fois, se poser des questions pour vraiment réussir à avancer. Et c'est vraiment ça la vie. La vision à voir, c'est pas de se dire, c'est une porte qui s'ouvre. En fait, c'est ce que tout le monde voit. Si on reçoit un non, on a vraiment cette impression qu'il y a une porte, paf, qui se ferme devant nous. Mais il y en a une autre qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on regarde tellement cette porte qui vient de se fermer. Il y en a une autre qui est juste à côté, qui vient de s'ouvrir. Et cette porte-là, c'est le feedback. Bon, maintenant, on a une demi-heure. On a combien de temps? Une demi-heure? 45 minutes? On a une demi-heure chrono pour faire un petit briefing. Jérémy nous fera un point. C'est lui qui est le chef de projet pour tout le DERX, l'événement DER Experience 2e édition, qui aura lieu en décembre normalement. On a un imprévu. Alors à la base, on avait pensé à une activité juste trop cool, de faire une descente en luge nocturne. Enfin d'abord, de bien se péter le bide avec une bonne fondue suisse en haut des pistes de ski, et après de descendre jusqu'en bas dans le village en luge avec une partie des clients, ou tous les clients. Malheureusement, en fait, les pistes de luge ne sont pas encore ouvertes. Donc Jérémy a écrit aux remontées mécaniques pour savoir si on pouvait spécialement ouvrir les remontées et la piste de luge pour nous. Malheureusement, on a reçu un no-go, et c'est le but maintenant de la séance, c'est de voir, en étant super réactif, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre événement, comme autre activité, parce que l'heure tourne, les jours avancent, et décembre, c'est bientôt là. C'est ouf comme l'année est passée tellement, tellement vite, quoi. C'est hallucinant, c'est flippant. On a maintenant encore un mois et demi pour vraiment tout défoncer, pour que cette année soit juste mémorable. C'est déjà le cas, mais encore plus avancer dans ce sens-là, quoi. Bon, on a terminé la partie réflexion. On a plusieurs idées. Jérémy a eu plusieurs idées super intéressantes qu'il nous a proposées. Mais on a eu une idée, juste maintenant en brainstormant sur la fin, de faire une escape game géante. On a vu qu'il y en a qui se font entre 20 et 50 personnes dans les montagnes. Pour l'instant, on part un petit peu là-dessus. On va se donner encore maintenant le trajet parce qu'il faut qu'on parte maintenant pour aller à B chez le client. On va se donner un peu le trajet pour y réfléchir. Mais il faut qu'on soit vite, faut qu'on soit réactif, faut qu'on soit rapide. Parce que l'événement est quand même le 17 décembre, en tout cas c'est la date qu'on a fixée. Faut qu'on speed. I'm loving it. Bon. Le mental est faible. Les mentales sont faibles. Les mentaux ou les mentales? Je sais pas du tout. Et là, il y a un bug, non? Là, j'ai aucune idée. On dit des problèmes mentaux. Ouais, ok. Alors, les esprits sont faibles. Là, on craque. On a rendez-vous dans 35 minutes. Du coup, on a 20 minutes pour aller se péter le bide au McDo. Je sais que c'est pas vraiment aligné avec le mindset de ce matin Beast Mode, mais ça fait du bien des fois de se faire plaisir, non? Et voilà, ce qui devait arriver arriva. À chaque fois que je vais au McDo, ou je fais un truc comme ça, juste avant je me réjouis à fond, on mange, je kiffe trop la bouffe, et à peine j'ai fini chaque fois, je regrette, je me dis mais quel con, pourquoi je le fais? Bon allez, maintenant on est un petit peu à la bourre, on doit filer pour aller chez Meili. Bon, on dira pas aux clients qu'on est un peu en retard à cause d'un McDo. En plus le pire c'est que c'est Fred, et il regarde ses vidéos. Fred, si tu vois cette vidéo, je m'excuse. Je vous jure, il regarde la série, vraiment. Non, il y avait beaucoup de trafic sur la route. Honnêtement, il y avait une chier de trafic sur la route. Bon, le but de ce rendez-vous maintenant, ça va être de préparer le site web. On doit refaire leur site. On doit préparer aussi du contenu pour leur réseau qui va arriver tout bientôt. Donc une séance bien chargée. Rendez-vous terminé.
tout bon. On a choisi dans quelle direction partir pour leur site web. Thiago a pu shooter quelques photos un peu risquées. Ils lui ont mis des lunettes sur la gueule pour pas qu'ils se prennent des débris dans les yeux. Bon, maintenant, retour sur Lausanne. Un peu le contre-coup de l'après-midi là. Pas vous ? Non, c'est la forme. Ah, je suis claqué moi. Go pour Lausanne. Oh, voilà ce qui résume une bonne journée. Il fait nuit, on dirait que c'est 5h du mat quoi. Mais non, franchement, c'est quelle heure? C'est 20h. Il est 20h, c'est déjà tard, mais c'est 20h. Et on a enfin accroché une petite décoration. Ça fait longtemps que je l'ai commandée. Elle a fini dans l'armoire ici et je l'ai oubliée pendant des semaines quoi. Checké. Je kiffe tellement, mais tellement cette phrase. C'est chiant d'être normal, faut vraiment être différent. Après voilà ce qui résume cet épisode, j'espère que vous avez kiffé. Ça commence à avoir de la gueule un petit peu cette décoration ici. Avec le petit panneau là, Work Smarter, les petites décorations. Et juste ici, juste là, on a reçu notre sapin de Noël. Alors on va décorer ce bureau en mode Noël, parce que oui, je kiffe trop la période de Noël. Je suis un gamin durant cette période. Je kiffe trop les décorations, les guirlandes, les lumières, les sapins. On a commandé ce sapin là. Donc du coup, on le mettra en fait ici. On va prendre tout ce matos là-bas au fond, on va le foutre ici. Et du coup, en fait, là, on aura vraiment un petit coin à sapin de Noël. Ça va être juste magnifique. Avec du Frank Sinatra à fond dans le bureau, de la fausse neige par terre. Ça va être génial. Bref, voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, balancez-moi un like juste en dessous pour me balancer un max de force en pleine gueule. C'est la meilleure manière de me montrer que le contenu que je fais vous plaît. On se retrouve du coup dimanche soir pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous.